Mon Dieu, où suis-je? T'es sur ton lit. Ça, c'est mon lit? C'est ton lit. Tu ne le reconnais pas. Non, je ne l'avais jamais vu avant maintenant. Fais pas ta folle, Rosaura. Et toi, tu es qui? Hé, Rosaura. Je suis Carmen, ta sœur, Carmen. Ma sœur? Mais qu'est-ce qui te prend? Au secours, par pitié, au secours. Comment ça, qu'est-ce qui me prend? Sortez-moi d'ici, sortez-moi. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Rosaura, merde, où veux-tu t'en aller? Pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours, je ne t'ai jamais vu. Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en, je ne t'ai jamais vu, moi. Tu me fais peur. Tu es un fantôme, je n'ai jamais vu ses yeux, cette bouche, ses cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en, ne m'embrasse pas, ne me touche pas. Au secours, au secours! Eh oh, ma belle! Mais de quoi t'as rêvé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu! Mais hier, je n'étais pas ici, moi. Je n'y ai jamais été. Je ne reconnais rien de ce qui est ici. Mais hier soir, tu étais ici, espèce de folle. Avec moi. Avec notre père. Et notre mère. Notre père? Notre mère? Je ne les ai jamais vus. Ce sont toujours les mêmes, ma Rosaura. Le vieux Cirlo, toujours bourré. Et la vieille Agostina. Toujours en rogne. Je n'ai jamais entendu ces noms-là. Par pitié, fais-moi partir d'ici. Fais-moi retourner là d'où je suis venue. Oui, au pays des merveilles. Où tu veux aller en dehors d'ici? Tu as été ici pendant 30 ans et maintenant, d'un seul coup, tu veux tout quitter? Qui êtes-vous, vous? Bon, il est 9h du matin. Il est temps que tu te réveilles et que tu reprennes contact avec la réalité. La réalité? J'en sais rien, rien. Je suis étrangère à tout ça. Je veux m'en aller loin. Je veux aller là où est ma place. Merde! Maintenant j'en ai jusque là, Rosaura. Ça suffit avec cette histoire. Courage, fais un effort. Si ça ne t'arrange pas de te réveiller, fais-le quand même. Comme tu as toujours fait, et me casse pas autant les couilles. Comment tu t'appelles? Carmen, 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 Carmen. Comme tu es belle. Quelle peau sombre et pourtant transparente. Comme ils sont élégants, ces cheveux sauvages qui te tombent juste sur tes yeux. Comme il est mignon, ce vêtement orange qui te couvre à peine. Et ce petit lit avec son petit matelas tout dur. Et ces vieilles couvertures grises toutes rêches de sueur et de poussière. Ouais, nous sommes de sales pauvres, Aura. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Avant d'être plus qu'un sac à vin, notre père était manœuvre. Et avec la paye d'un manœuvre, comment on peut faire manger 10 bouches? Par chance, nos frères sont partis. Ils nous envoient pas de sous. Mais au moins, ils sont plus là. Laisse les faire donner par nous. Et pourquoi alors? Je ne reconnais pas la toile déchirée de ces draps de lit, la poussière sèche de ces couvertures. Et même si je les reconnais, c'est comme si je les avais seulement imaginées. Conne et menteuse! Ça fait 30 ans que tu dors sur ce lit de camp. Merde! Je devrais pas me mettre à discuter de tout ça. Bon, basta. Toute la pauvreté qu'il y a là-dedans n'est pas dans mes souvenirs. Elle n'est pas dans mes habitudes. Elle n'a rien à voir avec ma vie. Et tu insistes? Si quelqu'un nous voyait, il nous emmènerait à l'asile. Allez, essaie de te concentrer. Tu as rêvé de quoi cette nuit? Je n'ai rêvé de rien parce que c'est ça qui est un rêve. Ok, étant donné que moi, par contre... Je sais que ce n'est pas un rêve. Vu que je suis ta sœur et que j'ai vécu toute ta vie avec toi, il faut que tu fasses l'effort, ma chère, de penser au contraire que c'est ceci qui est la réalité. Et pourquoi devrais-je le faire? Pour rien. Fais-le pour ta conscience. Et comment si ma conscience est celle de la vérité? Alors, faisons comme si c'était un jeu. Espèce de folle, ça te va? Un jeu? Oui. Faisons comme si tu reconnaissais vraiment pas ce lit où tu t'es réveillée ce matin. Ni moi. Ta sœur. Ni cette maison, que pour rire nous appelons le foutoir. Et tout le reste. Et puis? Donc toi, tu fais semblant de faire semblant, de ne rien savoir du monde dans lequel tu t'es réveillée aujourd'hui, et où tu vis. Et je ferai semblant de devoir t'expliquer comment vont les choses. Mais dans quel but tout cela? Parce que personne ne viendra jamais te libérer. Même si tu criais au secours jusqu'à demain, et jusqu'à en perdre le souffle. Et moi je pourrais pas être ta sœur, même si tu le niais jusqu'à la mort. C'est pareil pour ces meubles, cette maison, notre père sur l'eau, notre mère Agostina. Nos frères émigraient pour travailler à la mine en France et en Allemagne. Et alors comme ça tu resterais, étrangère, à gueuler toute ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire semblant et écouter comme un jeu toutes les explications que je te donnerai sur cette vie. Au secours! Au secours! Amenez-moi loin d'ici, délivrez-moi de cet endroit si misérable.
pleine de choses sales que je n'ai jamais vues. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien apprendre. Je veux seulement m'en aller là où j'étais vraiment. Sous la table, il y a une cuvette. Une vieille cuvette, toute cabossée, avec des traces de crasse au fond. Parce qu'on la lave jamais quand on s'en est servi. C'était notre mère qui a dû l'acheter quand nous étions encore enfants. C'était l'été, comme maintenant. Il faisait une chaleur à ne pas pouvoir s'appuyer sur les parois de bois et de tôle tellement elles brûlaient. La poussière là devant, sur le terrain vague du bidonville, était arrêté. Pas un souffle d'air. Dans cette canicule, est arrivé le revendeur, avec sa charrette blanche en bois. Il avait un petit béret blanc sur la tête et il chantait, avec un mégaphone. Il y avait des tas de choses en plastique, rouges, bleues, jaunes, vertes, attachées à la charrette. Et moi, je m'en étais amourachée. Mais toutes les femmes étaient un peu amoureuses de lui, du vendeur ambulant au visage sombre d'enfant de cigane. Qui chantait. C'est lui qui a vendu cette cuvette à notre mère. La première chose que tu fais toujours, chaque matin, en attendant client, c'est de te laver entre les jambes dans cette cuvette blanche toute cabossée. Qu'est-ce que tu attends? Lave-toi. Lave-toi. Ah, laissez-moi. Laissez-moi, c'est le membre normaux. Ah. Laissez-moi, je veux pas entrer là-dedans. Au secours! Je veux pas entrer! Entre! Sinon, ou t'es puceau ou t'es pédéraste! Entre, imbécile! Non! Non, j'en ai pas envie! Laissez-moi! T'as pas envie? Ou tu t'es fait une branlette aujourd'hui? Tant pis pour toi! Courage! Laissez-moi sortir! Rouvrez la porte, laissez-moi sortir! On repasse dans une demi-heure, bonne chance! S'il vous plaît, ouvrez-moi, je veux sortir! S'il vous plaît! Si tu continues comme ça, tu vas démolir la porte. Ouvrez-moi! Sinon, quand je sortirai, je vous en ferai voir, moi! Faites-moi sortir d'ici. Dis-le-leur, toi, qu'ils m'ouvrent. Je t'en prie, dis-le-leur! Mais qui sait où ils sont allés, eux? Le quartier des baraques est grand, et dans chaque baraque, il y a une putain. Ouvre la porte! Ouvre-la, toi! Je ne l'ai pas, la clé de la porte. Tu crois quoi? Que je serai libre, moi? Et tu crois que si j'étais libre, je resterais ici? La porte, on ne peut l'ouvrir et la fermer que du dehors, si tu veux le savoir. Mais je veux m'en aller. Je veux pas rester ici avec vous. Pourquoi? Je te fais peur? Je te dégoûte, moi? Oh non, madame, non. Mais je ne veux pas rester ici avec vous. Même si j'étais plus jeune et plus belle. Maintenant que je vous regarde, je vois que vous êtes jeune et belle aussi. Jeune? Je pourrais être ta mère. Et comment je ferais pour être belle en restant ici toute la journée, comme une chienne attachée à sa niche? Pour moi, vous êtes jeune et belle, mais je ne veux pas vous manquer de... Quel âge as-tu? 16 ans aujourd'hui. Ah. Alors c'est pour ça? Oui, c'est trouillard. Mais dès que je sortirai, je leur en fais voir, moi. Qu'est-ce que tu veux leur faire? Leur écrabouiller la tronche à ces membres normaux. Pourquoi tu les appelles comme ça? Tu ne pourrais pas me comprendre. Ne te donne pas de grands airs à présent. Tu ne pourrais pas me comprendre. Pour qui tu te prends? Sûrement pas pour quelqu'un comme eux. Ce n'est pas bien beau d'être différent des autres. Non, au contraire. C'est beau, et je leur en ferai voir, moi. Ils t'ont poussé ici pour te dépuceler? Tu n'es jamais allé avec une femme. Des femmes, j'en ai autant que j'en veux, moi. 10 fois plus qu'eux, hein. C'est pour ça qu'ils ragent et qu'ils me font des blagues. 10 fois plus qu'eux, à d'autres, voyons. Des petits yeux marrons, pas trop mal, piquants. Moitié fureur, moitié douceur. Nez un peu patate. Pas vraiment beau, mais de forme mignonne. De la barbe. Pas même un poil. À peine un duvet sur les lèvres. Et les lèvres de petits poissons, avec la lèvre supérieure charnue qui dépasse. Tu ne ressembles pas à un monsieur maintenant que je te regarde. Tu as le visage des pauvres. Comme les jeunes gens que nous avons ici, à Canemulet. Sauf que tu te coiffes un peu plus sérieux. Quels beaux cheveux tu as. Marron d'or. Entre les jambes, tu es comment? Ah, tu me poses des questions! Quelles questions veux-tu que pose une putain? Mais tu n'es pas une putain! Eh, tu ne m'aurais pas fait un compliment par hasard? Non, moi des compliments, je n'en fais pas. Bravo, ceux qui font des compliments n'ont pas de sentiments. Mais au moins, tu sais comment est faite une femme? Tu es bête et vulgaire comme toutes les putains! Forcément, pourquoi devrais-je différente? Parce que si tu ne le sais pas, même une putain a le droit d'être différent des autres putains. Comment t'appelles-tu? Moi, Pablo. Pablito. Et toi? Moi, Rosaura. Rosaura la folle, enchantée. Enchantée. Tu es riche, hein? Mes parents le sont. Tes parents seulement? Oui, je ne suis pas un fils véritable. Mais malgré tout, tu es riche. Je m'en fiche comme de ma première chemise. Tu n'aimes pas la richesse? Non. Pourtant, tu vas à l'école. Et celui qui va à l'école est riche, même s'il n'a pas le sou. Qui t'a dit cette vérité-là? Je l'ai pensé moi. Qu'est-ce que tu crois? En fait, t'as raison. J'ai décidé de mon destin. Drop out. Drop out? C'est quoi ça? Je décide que je plaque l'école. Et ta famille? Celle-là aussi, je la plaque. Et tu vas où? Je ne sais pas.
Et tu fais quoi? Je sais pas. Voilà pourquoi tu viens par ici. Tu as la nostalgie de ceux qui n'ont rien. Oui, j'y viens souvent par ici. Je préfère le cimetière de Barcelone au palais du boulevard de la Phalange. Parce que derrière, il y a la mer. Et on voit les bateaux à quai, prêts à partir au loin. Et tout de suite, sous la grande muraille du cimetière, il y a le quartier des baraquements où vous habitez, vous. Et nous, c'est qui? Vous êtes les exclus. Presque tous andalous. Oui, vous avez les yeux trop noirs et un caractère de tzigane. Vous êtes trop noirs et trop pauvres. Et c'est pour ça que nous serions exclus? Exclus et parqués. Il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils viennent et vous mettre des uniformes. Comme dans un camp, un asile ou une prison. Tu ne sais même pas que tu es drop-out. Quelle importance ça, alors, de le savoir? Aucune. C'est ça que je dis toujours à Velasquez. Et qui est ce Velasquez? Tu ne pourrais pas comprendre. Chaque fois que tu dis « tu pourrais pas me comprendre », cela signifie que tu caches quelque chose dont tu as honte. Moi, je n'ai honte de rien. Alors dis-moi qui est ce Velasquez. Tu crois que j'aurais peur, hein? C'est quelqu'un qui aime les garçons. Voilà. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne fais rien avec tes copines. Idiote, ignorante et vulgaire. Seul Velasquez, maintenant je comprends, a le droit de lever les scellés de ton beau petit pantalon. Je te donne la parole d'honneur que je ne fais rien de mal avec mon ami Velasquez. Il est comme Socrate avec les garçons d'Athènes. Et en réalité, maintenant, il est en prison, comme toi. Comme moi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Le quartier des baraquements de Cadmulet et la prison de Granatula. N'est-ce pas la même chose? Toi et lui, vous êtes des numéros, parce que votre réalité est une menace pour la société espagnole. Et tu veux toi aussi devenir l'un des nôtres? Un pédéraste, un andalou, une putain? Pour rire, mes amis me font déjà ce que les Espagnols adultes voudraient me faire. Me mettre au pilori avec sur la poitrine un panneau d'infamie, sur lequel il est écrit « Puceau, pédéraste » ou « Bâtard ». Libérant ainsi leur propre conscience. Par contre, ton ami Velasquez est en prison parce qu'il ne veut pas libérer sa conscience? Velasquez est en prison parce qu'il a un corps. Un corps? Oui, un corps. Comme toi. Tu es ici parce que tu as un corps. Sans corps, il n'y aurait ni honte, ni souffrance, ni mort. Il n'y aurait donc pas d'expiation. Nous sommes les boucs émissaires. Ah, qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre sous les murs du cimetière de Barcelone? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, idiot. Un jour ou l'autre, je reviendrai, je te ferai voir si oui ou non je suis un homme. Les meilleurs de mes compagnons, ces salauds de membres normaux, comme dit Velasquez. Lise et polémique avec leur maître, Calderón, Unamuno, Machado. Ce sont les merveilleuses lectures des 16 ans. Par contre, moi, je lis Les Gronneries de Karl Marx, Marcuse, Malcolm X, Obiegbuna et The San Francisco Oracle. Merde, arrête de te vanter autant. Bah, je me vante pas du tout. N'as-tu pas dit que t'étais en train de tomber amoureuse de moi? Ça, c'est moi qui le dis. Toi, tu te tais. Finalement, écoute, tout leadership est fasciste. Réfléchis, même Gandhi, puisqu'il a été président des Indes, était fasciste. Tu dis ça pour de vrai? Les membres normaux sont des membres normaux. Dans le meilleur des cas, un fascisme démocratique leur suffit. Restent les exclus. Toi, Velasquez, les noirs, les fous, les délinquants, les andalous. Que doivent-ils faire? En Espagne, on n'en sait rien. Mais c'est une question qui résonne aujourd'hui avec urgence dans le monde. Et tu viens me le demander à moi? Je sais seulement que nous sommes en été 1967, mais je ne sais même pas ni quel jour ni quel mois. Si, parce que tu es rejeté comme pauvre, et en plus rejeté comme putain. Comme pauvre, tu es exclu entre les exclus. Comme putain, même les exclus t'excluent. Sainte Vierge de la Guadeloupe, aide-moi. Tu es un homme. Un homme encore mignon avec ses petits yeux marrons, sa frange dorée et ses pantalons immaculés, plein à craquer d'amour. Voilà, tu vois. Tu acceptes ton infériorité en tant que femme aussi. Et moi, pour un peu comme un imbécile, j'allais rater ça. Bien sûr, l'intégration s'identifie au destin. Les pauvres exclus autour de toi, et même moi, exclus volontaire, nous te refoulons dans un ghetto dans le ghetto. Patience, que veux-tu faire? Patience? Et Velasquez disait que la puissance des fleurs était une acceptation de la puissance des armes. Les exclus doivent jeter leurs fleurs et prendre les armes. Il était un peu fou, mais en suivant son raisonnement, pour moi, il avait raison. Non, justement, c'est le problème. Il n'avait pas raison. Car au sein même des exclus, il y a des exclus. Pablo. Les voici, ils arrivent. Oh mon Dieu, tu dois déjà partir? Oui, maintenant il vient me le chercher. Elle est finie notre conférence. Je dirais que tu l'as fait, que tu es un brave soldat, que tu n'as une belle et grande. Non, ne leur dis surtout. Mon amour, ça me fait mal au cœur de te quitter. Je reviendrai de temps en temps. Pablo, tu l'as fait? Je dois m'en aller, adieu. Adieu. Adieu.
Dis-moi, Rosaura, c'est vrai que tu as été avec un garçon riche? Et alors? D'une famille qui s'appelle Ortega et Frias. Jamais entendu ce nom-là. Mais le nom du garçon, oui. Il s'appelle Pablo. Et alors? Attends, je vais être sûre. C'est un garçon avec des yeux de quelle couleur? Marron. Et les cheveux? Des petits cheveux châtains avec une frange dorée. Grand? Pas tellement, il n'avait que 16 ans. Et comment il était habillé? Il avait des pantalons noisettes, sans ceinture. Les revers des poches de derrière très grands. Les boutons bien rattachés. Et par-dessus, un grand chandail blanc qui lui était un peu large, flottant de partout. Dans un beau désordre qui donnait envie de tout remettre un peu en place. Et pourtant, tu n'avais pas le courage de le toucher, parce que tout allait bien comme ça. C'était un étudiant? Bien autre chose qu'un étudiant. Un professeur, c'était. Un vrai philosophe. Qu'est-ce qui te fait rire comme une folle? On peut savoir pourquoi tu ris? Et vous avez fait l'amour? Bien sûr que nous l'avons fait. Vous l'avez vraiment fait? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'était pas capable? C'était un brave soldat, c'était. Tu aurais dû voir comme il chevauchait. Tu n'y crois pas? Crétine. Il avait un machin long comme ça, dur comme une épée et tendre comme une fleur. Il avait la saveur du safran et au toucher, on aurait dit de la soie. Mais qu'est-ce que tu as à rire? Je ne suis pas du tout tombée amoureuse de lui. Il n'aurait plus manqué que ça, que tu sois amoureuse. Bah, un peu amoureuse, oui. Où est le mal? Ma pauvre, que la Sainte Vierge de Guadeloupe te protège. Tu es folle. Il n'est plus revenu te voir. Mais il l'a promis. Il m'a donné sa parole d'honneur. Et tu es sûre qu'il reviendra? Hé, s'il te plaît, arrête de rire. Oui. Oui, je sais qu'il ne reviendra pas. Laisse-moi rire maintenant, car quand tu sauras, ça rira autrement. Le musée du Prado va fermer ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. La grande salle est vide. Ils se sont tous dispersés dans le palais, même elle, la Basilissa. Les gamines, on les entend, jouent dans le jardin avec les guardadamas. Nicolasito, Pertusato, le nain, doit encore faire rire quelqu'un ailleurs, et ainsi Madame Marcelle de Ulua. Je suis seul ici, reflet dans le miroir. À moins que l'auteur ne soit ici avec moi, reflet lui aussi. J'avais besoin de me recueillir un peu avec moi-même. Melainos, Leukos. Nous voici, Seigneur. Dis-nous ce que nous devons faire. Vous devez retourner là-bas. Où, Seigneur? Où vous avez été la dernière fois. Canmulé, vous voulez dire? Je crois que ça s'appelle comme ça. Cet endroit sous les grandes murailles du cimetière de Barcelone. Dans le baraquement du vieux Cirlo, je suppose. Vous savez ce qu'il y a à faire? Certainement, Seigneur. Il est temps. Ce n'est certes pas la chronologie qui compte, mais le sens qui si souvent n'est pas dans l'ordre. Le rite doit se répéter. Celui qui dort, je ne sais pas sur quel monde il ouvrira les yeux cette fois. Tôt ou tard, tu le sauras. En attendant, faisons ce que nous devons faire. Ce que je me demande, c'est si la loi selon laquelle l'amour dure plus longtemps que le rêve sera encore valable, si quelque chose de continu se perpétuera encore de rêve en rêve. Et ce que le pouvoir qui m'est donné retirera de l'illusion d'une nouvelle vie. Allez, allez, mon bon Melainos, mon bon Loukos, allez délier les nœuds de l'existence en distribuant en mesures parfaitement égales le noir et la lumière, la douleur et la joie. Allez à Camp Moulette. Rosaura est là, dans sa baraque. Elle attend une visite. L'antique mécanisme classique se répète. Mais même moi, le roi, dans la solitude de cette grande salle, je devrais m'interroger bien à fond moi aussi, pour connaître ce qu'est ma vraie volonté nouvelle. Il Museo del Prado chiuderà tra 5 minuti. Si invita la gentile clientela a dirigersi verso l'uscita.
Bonjour ma sœur. Vous ici? Dieu vous bénisse, Rosaura. Vous avez les yeux rouges. J'ai un rhume. Nous sommes en août. Les baraquements de canulés sont protégés du vent du nord par les grandes murailles du cimetière. Il fait une chaleur comme au plus profond de l'enfer. C'est pourquoi les femmes andalouses chantent toute la journée, en regardant vers la mer qui a la couleur du feu. Ce n'est pas un rhume. Un marin qui venait d'Islande me l'a refilé. De mensonge en mensonge, nous serons bientôt au pôle nord. Ou au moins en Russie. Je suis une bonne chrétienne. Je ne mens pas. Maintenant, puisque je vous ai prise en flagrant délit, ne faites pas votre offensée et ne passez pas à la contre-attaque. Je ne suis ici que pour vous aider, Rosaura. Et vous savez combien il est plus difficile d'aider que d'être aidé. Je suis bien comme je suis. Vraiment. Et ses yeux rouges? C'est mes affaires. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Carmen est venue chez moi et il m'a dit que l'autre jour, tu aurais... Dites-le. Dites-le. Fais l'amour, on a honte. Ben, je suis une religieuse et j'ai eu des traumatismes. Et naturellement, une éducation catholique. Bref. Tu as fait l'amour avec un certain Pablo Ortega y Frias, étudiant au lycée Segura. Ben... Alors oui ou non, tu vas dire la vérité? Oui, oui. C'est vrai. J'ai fait l'amour avec lui. Et ses yeux rouges? C'est parce qu'il ne revient pas? Cela n'a rien à voir. Bien sûr que si. Si tu t'es décidé à arrêter de mentir, c'est que... Tu espères que je t'apporte des nouvelles de lui? Oui. Je pleure toute la journée parce qu'il ne revient pas. Je suis ici pour t'apporter une nouvelle qui te donnera une grande joie et une grande douleur. Les deux choses s'annuleront l'une l'autre. Et alors, j'imagine, tu resteras muette, dans un grand embarras. Pauvre Rosaura. As-tu vraiment fait l'amour avec lui? Oui, bien sûr. Pour qui le prenez-vous? C'est un homme, lui. Je sais. Mais réfléchis bien. Dis-moi la vérité. Non, nous n'avons pas exactement fait l'amour. Mais s'il revenait, et que cette fois il te demandait de faire l'amour avec lui, tu le ferais? Bien sûr que je le ferais. Et je ne lui demanderais même pas un sou. Je le ferais gratis toutes les fois qu'il le voudrait. Et même je le paierais, moi, s'il en avait besoin. S'il devait revenir, mais il ne reviendra pas. Toi, par contre, tu ne devrais pas faire l'amour avec lui. Et pourquoi? Mon histoire, terrible comme une fable, commence il y a 16 ans. Tu te souviens? Non, je ne me rappelle pas. Tu étais une enfant, comme on dit bêtement, quand tu as connu Sigismond, dit Elijo, qui avait 20 ans et a fini ensuite à la Granatula, directement après la caserne. Et maintenant il est là, le crâne rasé, le corps couvert de balafres et de cicatrices. Mais il n'avait encore tué personne. Il n'avait pas encore essayé de se tuer quand il t'a fait faire l'enfant. Un enfant mâle, aux yeux marrons, aux petits cheveux châtains. Tu l'as à peine vu, tu n'as même pas eu le temps de savoir comment il s'appelait. Dans les bidonvilles, dans la boue et dans la poussière, sous les toits de tôle, entre des murs faits de fonds de vieux cajots, des sacs goudronnés, naissent des créatures d'une douceur, d'une timidité, d'agneau ou de colombe. Toi, me semble-t-il, tu étais justement une de ces créatures. Tu as subi la violence d'un garçon sans le haïr. Tu as fait un enfant. Et tu l'as perdu, sans protester. Tu as pleuré en silence, sans déranger personne. Ensuite, peu à peu, tu as tout oublié, sans en garder de honte. Tu as cru que tu avais perdu un fils. C'est cela le destin des mères qui vivent dans la misère. Ton fils a vécu dans une belle maison, dans la plus belle rue de Barcelone, dédiée aux martyrs de la Phalange. Lui, il a vécu exactement comme vivent ceux qui y habitent dans ces palais. En riche, en puissant. Personne qui l'ont adopté, ta mère et ta sœur demandent des sous. Oh, pas beaucoup. Elles ne poussent pas les prétentions de leur chantage, il faut bien l'appeler ainsi, au-delà du chiffre modique de quelques milliers de pesetas. Mais elles ont toujours eu peur que, si tu avais su, ça n'aurait pas continué, et que de toute ton inopportunité, leur plan en soit ruiné. De cette façon, elles ont suivi pas à pas la vie de Pablo. Elles ne l'ont pas perdu de vue un seul jour. C'est précisément à moi qu'elles sont venues s'adresser, maintenant que tu l'as connue. Vous avez écouté le deuxième acte de Calderone de Pier Paolo Pasolini.
interprété par la troupe de l'atelier théâtre italien en langue française La Mascaretta, UFR d'études italiennes, Sorbonne Université. Traduction, Michel Fabien. Adaptation, direction artistique et mise en scène, Stéphane Miglierina. Assisté de Lucie Comparini. Musique originale, Mattia Pastore. Montage, Tristan Rollo. Avec Gauthier Basset, Audrey Cadieu, Martina Caruso, Bastien Corbellini, Maddy Delfieux, Noélie Dujani, Inès Guerrero, Anaël Kersulek, Lina Lashgar-Jamé, Juliette Libert, Sarah Maurer, Diana Moani Morassa, Clara Pasquier, Tristan Rollo, Anna Cafas, Marine Sportiello, Malwanga Déborah, Bunga Sarah. Avec le soutien d'Olivier Jacquet, du service culturel de Sorbonne Université et de l'association Sorbonne Idées.